Comment fabriquer une carte en forme de couronne pour la fête de ton papa? Il te faut une règle, une feuille de papier cartonné bleu, une demi-feuille de papier cartonné jaune, une paire de ciseaux, un feutre pailleté bleu, de la colle et trois mini pompons jaunes. Sur ta demi-feuille de papier cartonné jaune, à l'angle, trace une marque à 5 cm. Tu comptes 5 cm et tu fais une marque. Et tu fais ça de l'autre côté de l'angle. 5 cm, une marque. Et tu relis tes deux points. Voilà, tu obtiens un triangle. Découpe ce triangle. Positionne-le à peu près au milieu de la feuille, comme ça, et trace la pointe du triangle, les contours. Tu décales et tu retraces encore une fois la pointe. Tu décales ton triangle et tu fais la troisième pointe. Maintenant, découpe toutes tes pointes. Tu vas obtenir la forme de ta couronne. Mets ta couronne jaune sur ton papier bleu en laissant bien une marge de 2 cm. Étale de la colle sur ta couronne. Et colle-la sur ton papier bleu en laissant toujours une marge de 2 cm. Voilà, tu la colles pas au bord, tu laisses bien dépasser ton papier bleu. Découpe maintenant les contours du reste de ta couronne, toujours en laissant une marge de 2 cm. Voilà, tu découpes le dessus, les pointes. Maintenant, tu vas coller les pompons sur les trois pointes. Ça te fera une couronne avec des jolis pompons. Le premier, un point de colle et tu colles. Le deuxième pompon. Et le troisième pompon. Avec ton feutre pailleté, tu vas écrire « Papa le roi » puisque ça sera la fête des papas et ton papa sera donc le roi. Voilà, tu écris « Papa le roi » en gros. Voilà, tu peux repasser un petit peu sur les lettres si tu veux qu'elles soient plus épaisses et que ça soit plus joli, ça se verra mieux. Si tu n'as pas de feutre pailleté, c'est pas grave, tu peux choisir un autre feutre, ça sera quand même très joli. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à l'offrir.